Bonjour à tous. Avec grand plaisir, je suis ici pour partager avec vous la parole de Dieu pour pouvoir vous édifier et vous encourager. Je suis la pasteur Alexandra, voilà, de l'église La Tribu du Judas. Dieu m'a mis à cœur, quand je priais hier, une parole pour vous encourager et vous édifier à restaurer les autels. Qu'est-ce que restaurer les autels? À restaurer nos vies, à restaurer vraiment nos cœurs et le pourquoi nous avons besoin de Dieu dans nos vies. Alors, Dieu m'a donné une parole dans Premier Roi. Donc, je vais lire, on va faire un petit peu de lecture, ça fait du bien aussi. Je vais lire ce que Dieu m'a mis à cœur comme verset dans la Bible et après, je vous partagerai et je vous dirai exactement pourquoi Dieu m'a donné cette parole et la débriefer avec vous. Amen. Donc, je vais prendre mes lunettes pour voir un petit peu mieux. On va ouvrir la Bible à 1er Roi. 1er Roi 18, 27. Si vous avez une Bible, ouvrez-la et suivez-moi avec. Voilà, on va faire un petit peu, ça va être un petit peu long, mais c'est parce qu'il y a des choses très importantes à lire sur lesquelles après j'aimerais débriefer avec vous. Donc 1er Roi 18, à partir du 21, 18, 21. Amen. On y va. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit: jusqu'à quand aurez-vous un comportement boiteux? Si c'est l'Éternel qui est Dieu, suivez-le. Puis après, on va passer au 24. Puis faites appel au nom de votre Dieu. Quant à moi, je ferai appel au nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui qui sera Dieu. Tout le peuple répondit: c'est bien. Après, nous lisons à partir du 25. Élie dit au prophète de Baal: choisissez pour vous l'un des taureaux et préparez-le les premiers, puisque vous êtes les plus nombreux. Ensuite, faites appel au nom de votre Dieu, mais n'allumez pas le feu. Ils prirent le taureau qu'on leur donna et le préparèrent, puis ils firent appel au nom de Baal, depuis le matin jusqu'à midi, en disant: Baal, réponds-nous. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse. Même s'ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient érigé à midi, Élie se moqua d'eux et dit: criez à haute voix, puisqu'il est Dieu, il doit être en train de penser à quelque chose, ou bien il est occupé, ou encore de voyager, peut-être même qu'il dort et qu'il va se réveiller. Ils crièrent à haute voix et, conformément à leur coutume, ils se firent des incisions avec des épées et avec des lances, jusqu'à ce que le sang coule sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande, mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Alors on continue au 30. Élie dit alors à tout le peuple: approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Il répara l'autel de l'Éternel qu'il avait été démoli. Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus. Il les posa. L'homme auquel l'Éternel avait dit: tu t'appellera Israël. Avec ses pierres, il reconstruit un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé pouvant contenir une quinzaine de litres. Il arrangea le bois, coupa le taureau en morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit: remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il dit: faites-le une deuxième fois. Et ils firent une deuxième fois. Il dit: faites-le une troisième fois. Et ils le firent une troisième fois. L'eau coula tout autour de l'autel. Il le remplit aussi d'eau, aussi dans le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, le prophète Élie s'avança et dit: Éternel, d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que c'est toi qui es Dieu en Israël et que moi, je suis ton serviteur et j'ai fait tout cela sur ton ordre. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu et que c'est toi qui ramènes leur cœur vers toi. Le feu de l'Éternel tomba alors. Il brûla l'holocauste, le bois, les pierres, la terre. Il avala l'eau qui était dans le fossé. Quand ils virent cela,
tous les membres du peuple tombèrent le visage contre terre et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Amen. Désolé, on a fait un peu de lecture, c'était un peu long, mais c'était important de lire tout ça. Qu'est-ce que je veux vous montrer par cela? C'est qu'il y avait des faux prophètes, il y avait un peuple qui croyait et adorait un autre Dieu. Et donc, Élie les a mis vraiment face à face en leur disant, voilà, moi je vous dis que votre Dieu, ce n'est pas le bon, mais mon Dieu, c'est l'Éternel, et l'Éternel est Dieu. Et les a mis dans une situation pour vraiment leur ouvrir leurs yeux, leur cœur, en leur montrant qu'ils se montraient et que leurs autels, ce n'étaient pas des bons autels, ils ne servaient pas des bonnes choses. Alors, du coup, ils ont voulu montrer à Élie que si leur Dieu répondait, que si leur Dieu existait. Alors, Élie a dit, allez-y, mettez votre taureau et proclamez votre Dieu. Et celui qui fait tomber le feu, ça sera vraiment l'Éternel, vraiment le Dieu. Et ce que l'on voit, c'est qu'ils ont fait leur autel et ils ont clamé, prié, crié leur Dieu, Baal. Mais que Baal n'a répondu à aucun moment. Leur Dieu auquel ils croyaient, auquel ils servaient, ne leur a pas répondu. La Bible dit dans des détails hein, qu'ils se sont mis même à sauter, à danser, à crier. Et qu'à la fin, et regardez le petit détail, ce n'était pas 5 minutes, ce n'était pas 10 minutes. Ils l'ont fait du matin jusqu'à midi, ce qui veut dire des heures. Ce qui veut dire que pendant des heures entières, ils ont invoqué, crié, appelé, dansé à leur fameux Dieu qui n'a pas répondu. Parce qu'il n'existe pas, parce qu'il n'y a pas d'autre Dieu. À un tel point qu'ils s'en ont arrivés à se faire des incisions sur les bras pour faire couler le sang, en disant « Allez, allez, réponds-nous !» Le désespoir de montrer que leur Dieu existait, mais il n'existait pas, parce que pendant des heures, leur Dieu n'a absolument pas répondu à rien de leur demande. Par contre, on passe à Élie. Élie, il a mis de l'ordre un peu dans l'autel, qui était un peu abîmé à travers toutes leurs danses, tous les trucs qu'ils ont fait. Élie a remis de l'ordre, il a remis le bois. Mais plus que ça, Élie a bien dit tout au début, nous allons demander le feu. Le feu sera le signal de Dieu. Si le feu tombe du ciel, c'est que l'Éternel est Dieu et Dieu est éternel. Donc on sait très bien que l'eau éteint le feu. Mais Élie a été plus profond de ça, il a dit « mettez de l'eau !» Et pas seulement une seule fois, deux fois, trois fois. Vous mettez de l'eau sur l'autel, vous mettez de l'eau dans la fosse tout autour. C'est quand même fort quand même de demander de mettre de l'eau alors qu'on demande que le feu tombe. Mais Élie savait quel Dieu il servait. Élie savait exactement qui était son Dieu. Et que son Dieu était un Dieu de miracle, et un Dieu de puissance, et un Dieu vrai, et un Dieu qui n'allait pas l'abandonner. Alors, la grande différence que j'aimerais vous montrer, c'est que les faux prophètes, ils ont cherché un Dieu qui n'existe pas et ils l'ont clamé pendant des heures, du matin jusqu'à midi, donc des heures. Et en plus de ça, il n'a pas répondu. Élie, 5 minutes. 5 minutes. La Bible dit qu'il a juste appelé Dieu. Dieu éternel d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Montre-leur que tu es vivant, montre-leur que tu existes, montre-leur que tu es l'Éternel, le Dieu, l'Éternel, le Tout-Puissant. C'est tout ce qu'il a dit, une phrase, il a prié, montre-leur que je suis ton serviteur. La Bible dit que instantanément, tout de suite, Élie n'a pas besoin de chanter, de danser, de crier, de faire des incisions, il a juste parlé à son Dieu, il a juste clamé son Dieu. Le feu est tombé sur l'autel. Le feu a envahi l'autel. La Bible dit que le feu a brûlé l'holocauste, a brûlé le bois. Mais plus que ça, la Bible dit que le feu a aspiré, a pris toute l'eau dans le fossé. Waouh, waouh, parce que Dieu est vivant. Parce que Dieu est vivant. Ce qui s'est passé, c'est qu'après, ils sont tombés face contre terre et ils ont reconnu le Dieu d'Élie, Dieu l'Éternel, l'Éternel, ô Dieu Tout-Puissant. Ils se fassent contre terre, ils sont tombés, ils ont reconnu la grandeur, ils ont reconnu que c'était le seul et l'unique Dieu qui existait et qu'il n'y en avait pas d'autre. Donc, ils ont dû refaire. Élie a dû leur montrer et faire
leur montrer quel est le vrai autel. Je cherche mes mots parce que je veux que ça soit percutant pour vous. Il y a des faux autels et il y a des vrais autels. Il y a les faux autels, ceux que eux, les faux prophètes, ont montés pour servir leur Dieu et appeler leur Dieu qui n'existait pas. Et il y a les vrais autels, ceux où Dieu descend et brûle par son feu. Là où je veux en venir aujourd'hui, c'est reconstruisons nos autels. Reconstruisons nos autels. Là où je veux en venir, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ont de faux autels, n'ont pas de bons autels, ont de faux autels parce qu'ils servent de faux dieux et ils s'accrochent à de faux dieux. Et pour moi, les faux autels, c'était l'autel où là, les faux prophètes étaient en train d'appeler, crier, servir ou danser et chercher un Dieu qui n'existe pas. Oh, combien des fois tu as des autels chez toi, dans ton travail, dans ta vie, et tu cherches un faux Dieu, tu es en train d'adorer un faux Dieu, tu es en train de faire des choses qui ne vont pas t'édifier, qui ne vont pas changer ta vie. C'est quoi ces faux autels que je suis en train de parler? Ta richesse? Ton argent, la pornographie, la drogue, l'adultère, c'est quoi tes faux autels dans ta vie? C'est quoi ces choses que tu mets dans ta vie, que tu es en train d'adorer? Peut-être que tu adores ton argent, est-ce que tu adores ta richesse, peut-être que tu adores tes discothèques, sortir dans le monde, faire des choses qui n'édifient pas, la drogue, l'alcool, c'est ça tes autels parce que tu crois que ça va remplir ta vie, que ça, c'est en train de t'écouter, c'est en train de changer ta vie. Mais ces autels-là n'aboutissent à rien. Ces autels-là ne vont te servir à rien et ne vont pas te faire avancer dans ta vie parce qu'ils ne vont pas te répondre. Comment ça, ils ne vont pas me répondre? Ils ne vont pas remplir le vide qui est en toi. Ils ne vont pas remplir cette tristesse qui est en toi. Ils ne vont pas guérir ta dépression. Ils ne vont pas régler ton manque d'argent. Ce sont des autels où Dieu ne répond pas. Ce sont des autels où Dieu n'est pas présent. Ce sont des choses dans ta vie où Dieu ne sera pas présent. Ça ne sert à rien de clamer Dieu et de prier un Dieu qui n'existe pas, qui est le Dieu de l'argent, le Dieu de la pornographie, le Dieu de l'alcool ou... Peu importe, je mets des noms comme ça, mais je sais que tu me comprends. C'est des choses qui ne vont pas aboutir et changer et t'aider dans ta vie. Maintenant, regarde Élie. Élie, il a mis de l'eau. Il a même mis de l'eau. Il a dit, mais en trois fois. Pourtant, comme j'ai dit tout à l'heure, l'eau ne va pas avec le feu. L'eau éteint le feu. Mais là, c'est le feu qui a englouti l'eau. Et Élie n'a pas dansé, n'a pas chanté, n'a rien fait. Il ne s'est pas fait des incisions. Les gens sont arrivés en désespoir pour chercher Dieu, leur Dieu, à un point de se faire des incisions. On arrive à un désespoir, mais combien de gens, des fois, arrivent à un désespoir de se suicider, de s'enlever la vie, de prendre des médicaments parce qu'ils n'ont plus la paix? Ben, c'est la même chose que ces prophètes. Ils arrivaient à un désespoir d'entendre la voix de leur Dieu, d'avoir un secours de quelque part qui... Les chants n'avaient rien fait, leurs danses n'avaient rien fait, leurs cris, ils sont arrivés à faire des incisions. Bah, ça, c'est une parabole, ça reflète les gens qui arrivent à un moment, à un secours, ils cherchent un appel, ils cherchent un secours, ils cherchent quelque chose dans ce monde qui ne leur apporte rien, les médicaments, la drogue, le suicide, la dépression. Et on arrive à quoi? Les incisions, le suicide. Parce qu'ils n'entendent pas, parce qu'ils n'ont pas de réponse, mais ils n'auront pas de réponse tant qu'ils invoqueront pas le bon et le vrai éternel Dieu sur le bon altar. Enlève tous tes altars chez toi. Commence à nettoyer tes altars. Commence à nettoyer ta vie et commence à mettre le bon altar qui est Dieu dans ta vie, qui est le vrai, l'unique. Et là, je reviens à ce que j'ai dit. Élie, il n'a pas prié, il n'a pas clamé, il n'a pas dansé, il ne s'est pas fait d'incision. Il n'a pas fait de je ne sais pas trop quoi pour appeler son Dieu, de trucs bizarroïdes. Il a invoqué, il a levé ses mains et il a tout simplement dit quatre mots, une phrase. Éternel, ô Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, montre-leur que tu es le vrai, le seul et l'unique, montre-leur que je suis ton serviteur, fais tomber le feu du ciel, et le feu du ciel, bang, est tombé, parce qu'il est le vrai Dieu, et automatiquement quand tu sers et que tu clames et tu cours et tu cherches après la vraie présence de Dieu, il répond. Il n'y a pas de mystère. Quand tu cherches le vrai Dieu, il répond. Quand tu cherches du secours dans le vrai Dieu, il va te secourir. Quand tu cherches la guérison dans le vrai Dieu, il va te guérir. Quand tu cherches la prospérité ou de l'aide dans tes finances dans le vrai Dieu, il va pourvoir. Parce que tu es sur le bon autel. Tu es dans la bonne direction. Aujourd'hui, reconstruis ton autel. Nettoie ton autel. Enlève les mauvais autels et fais le vrai, le bon, l'unique,
Le seul autel qui est l'Éternel, qui est le Dieu Tout-Puissant. Et ta vie va changer. Et tu verras que ta vie prendra sens. Hier, je priais et je demandais, qu'est-ce que tu veux que je donne comme parole? Et la parole que l'Éternel vraiment mettait dans ma tête, qui résonnait, c'était la reconstruction de l'autel. La reconstruction de l'autel. Rebâtis ton autel. Donc, je sais qu'il y a des gens peut-être qui vont regarder, qui sont pas évangéliques, qui n'ont pas Dieu dans leur vie et qui sont peut-être carrément athées. Ou peut-être tu t'es éloigné du chemin du Seigneur et pour toi ce sont des termes et des mots. C'est quoi autel? Ça veut dire quoi? C'est tout simplement autel. Tu sais c'est quoi? Eh ben, si je devais le donner pour des gens qui n'ont pas Dieu dans sa vie, dans leur vie, je dirais enlève tes vices, nettoie ta maison, nettoie ta vie. Enlève tes vices, arrête de servir l'argent, arrête de servir la prostitution, arrête de servir l'alcool, arrête de servir la drogue, arrête de servir la fornication. C'est ça les autels, c'est tes vices, c'est à quoi tu es accroché, à quoi tu passes plus de temps, à quoi tu t'amuses à servir, à idolâtrer, à adorer. Et ça t'emmène aux échecs. C'est ça les autels dans ta vie. Et ça va à ta destruction. Et ta destruction, c'est ce que l'ennemi veut, Satan veut. Il veut que tu meures, il veut que tu sois indépendant, il veut que tu sois dépendant, pardon. Il veut que tu sois dépendant de la drogue, tu sais pourquoi? Parce que tu vas gâcher tout ton argent et tu vas être ruiné, tu vas être pauvre. Pourquoi il veut que tu sois dépendant de la drogue? Parce que ça t'abîme la santé, ça t'abîme les neurones, ça t'abîme tout et qu'un jour tu vas mourir ou d'overdose ou d'une dépendance totale. Pourquoi il te met dépendant des médicaments? Bah parce que tu vas devenir dépressif et puis à la fin tu vas te suicider. Pourquoi il te met dépendant de l'argent? Parce que tu seras pauvre toute ta vie, parce que tu n'auras jamais d'argent et qu'il veut te faire croire que si tu n'as pas d'argent et que si tu n'as pas de biens matériels et que tu n'as pas la dernière technologie, tu n'es qu'un bon à rien et que les gens ne vont pas t'aimer. Tu comprends ce que je dis? Mais ça, c'est que du mensonge, parce que Satan est mensonge. Tu n'as pas besoin de tout ça pour être heureux. Tu n'as pas besoin. Ça, c'est quelque chose qui remplit ce vide intérieurement que tu ressens, parce que c'est ce que tu cherches. Je vais être franc avec toi. Si tu as tous ces problèmes-là, et ça te parle, ma parole, c'est parce qu'il y a un vide à l'intérieur de toi. Et ce vide, tu cherches à le remplir. Je le sais parce que c'est du vécu, et je sais de quoi je parle. Et ce vide, tu le cherches à remplir à tout prix par quelque chose. Par une fausse joie, une joie qui va te faire de l'achat compulsif. J'ai besoin d'argent, j'ai besoin de m'acheter une nouvelle voiture, j'ai besoin de m'acheter un nouveau pantalon, j'ai besoin. Parce que quand tu vas acheter le truc, tu vas, oh, waouh, j'ai acheté, waouh, ça s'appelle de l'achat compulsif, ça, de la dépendance, donc tu as besoin d'argent. Mais ce vide-là, tu vas rentrer avec ta chaussure, ton jean, ta voiture, chez toi, le lendemain. T'es passé à autre chose et ce vide, il est toujours là et tu vas avoir encore besoin d'acheter quelque chose. La drogue, c'est pareil. Je vais pas rentrer un par un. La drogue, c'est pareil. L'alcool, c'est pareil. Le sexe, c'est pareil. Tout est pareil. Parce que ce vide, eh ben, il est rempli de choses du monde. Il est rempli de choses qui sont éphémères, passagères. C'est comme la poussière. Ça te fait du bien maintenant, mais dans 5 minutes, dans 1 heure, il n'y a plus d'effet. Tu as besoin de le refaire. Maintenant, Dieu, c'est différent. Tu sais pourquoi Dieu, c'est différent? Parce que Dieu, quand tu fais ton invitation et que tu ouvres la porte de ton cœur à Dieu et que tu lui dis « habite à l'intérieur de moi », déjà, tu utilises le mot « habiter ». Habiter, c'est quoi? Tu habites dans une maison. Donc, on a tous des maisons. J'habite dans une maison. Donc, si j'habite dans ma maison, j'ai mis mes meubles, j'ai mis mon lit, j'ai ma cuisine, je mange. Donc, ça veut dire que c'est là où je passe tout mon temps. C'est là où c'est mon refuge, c'est ma maison. Tu as une maison, tu sais ce que c'est, tous les soirs tu rentres dans ton habitation. Donc quand tu dis, Dieu habite en moi, fais ta demeure en moi, ça veut dire que Dieu va habiter tous les jours dans ton cœur. Ça veut dire qu'il va prendre la place de ce vide, ça veut dire qu'il va remplir ce vide. Ça veut dire que tu n'auras plus besoin d'autre chose pour remplir ce vide parce qu'il va prendre toute la place. Ça veut dire quoi? Tout le manque que tu avais, il va s'en occuper, il va s'en charger. Ce manque d'amour, ce manque de paix, c'est Dieu qui va le remplir. Qu'est-ce que j'essaye de te dire? C'est que les choses par lesquelles tu les remplaçais du monde qui étaient passagères, ah, ça y est, le vide, il est là. Ah, il est revenu. Vite, encore, de nouveau, de la drogue. Vide, il faut que j'aille acheter un truc. Vite, vite, il faut que je remplisse ce vide. Je ne suis pas bien. Je me sens seule au monde. Je me sens déprimée. Mais avec Dieu, tu te lèves le matin. Ah, Dieu, il est encore là. Tu te couches le soir. Ah, Dieu est encore là. Le lendemain, une semaine, Dieu est encore là. C'est pourquoi? Parce qu'il a fait son habitation en toi. C'est la différence, c'est ce que je veux te faire comprendre aujourd'hui. Ne reste plus sans Dieu.
Nettoie tes autels. Nettoie ta vie et fais de ta vie un seul autel qui est Dieu. Et arrête d'adorer plein d'autres choses qui te font perdre du temps et qui sont pas là pour t'édifier ou te guérir. Aujourd'hui, j'aimerais terminer cette parole pour t'encourager à changer de vie. Tu vas peut-être penser à raconter du blablabla et dire n'importe quoi. Qu'est-ce qu'elle en sait? Elle n'est pas dans ma vie, elle n'est pas dans ma tête et elle ne sait pas ce que je passe. Donc, je vais te dire quelque chose. Si, je sais très bien ce que tu passes. Parce que avant d'être pasteur et avant d'être enfant de Dieu, j'étais une droguée, j'étais une alcoolique et j'ai un lourd passé et j'ai été tapée et j'ai essayé de faire des suicides. Et tout ça, je ne te prêcherai pas ce que je n'ai pas vécu parce que ça serait un faux témoignage. Donc, les mots que je dis, je le sais parce que je l'ai vécu. Donc, je sais ce que tu passes. Je sais exactement ce que tu ressens. Je sais c'est quoi d'être dépressif et je sais c'est quoi de vouloir mettre fin à sa vie. Seulement aujourd'hui, un jour, j'avais le choix. On ne te met pas le couteau sous la gorge de vouloir te suicider ou d'accepter Dieu. Mais il y a un moment où tu dois faire un pas. Il y a un moment, je vais être brute, mais c'est avec beaucoup d'amour. Et c'est comme ça que je suis, de toute façon. Arrête de te plaindre. Tu veux changer, alors accepte de l'aide. Tu veux changer, t'en as marre d'être dans la dépression, t'en as marre d'être dans le suicide, t'en as marre d'être dans la tristesse, t'en as marre d'être dans les problèmes financiers. Je ne sais pas c'est quoi ta vie, je ne sais pas tes problèmes que tu passes, mais aujourd'hui, je te donne une solution. Aujourd'hui, je te propose une solution. Aujourd'hui, je te dis que tu n'es pas à la fin de ton tunnel et que tu n'es pas dans ce tunnel noir où il n'y a plus de lumière. Non, aujourd'hui, je te propose une ampoule. Je te propose une ampoule, je te propose de la lumière. Je te propose quelque chose de concret, de vrai. C'est Jésus-Christ. Dieu a donné Jésus-Christ à mourir à la croix pour que tu sois pardonné de tes péchés, que tu aies la vie éternelle. Et ça, c'est du vrai. Ça, c'est du lourd. Ça, c'est quelque chose qui va rester toute ta vie et c'est quelque chose qui peut radicalement changer ta vie. Moi, ce qui a changé ma vie, et pourtant j'étais athée, hein, je te le dis, hein, j'étais athée, je croyais en rien du tout. Mais si aujourd'hui je suis devant toi à donner ce témoignage ou à t'encourager et à te secouer, et peut-être si mes mots sont durs, mais c'est parce que je veux que tu prennes la bonne décision et je veux que tu t'en sortes. C'est parce qu'il l'a fait pour moi. Donc s'il l'a fait pour moi, il peut le faire pour toi. Il n'est pas magicien, il est vrai. Il n'est pas passager, il reste, il demeure, il est vivant, c'est ça la différence. Et il guérit, oh oui, il guérit. Combien de fois il a guéri plein de gens? Il m'a guéri, il guérit tes traumatismes, il guérit ton passé, il guérit tes blessures, il guérit les mots qu'on t'a lancés dans ta vie. Il guérit, oui, il fait, il est vrai, il est vivant. Alors, aujourd'hui, il n'est pas trop tard, tu es fatigué, change tes attitudes, change ton mode de vie. Tu crois pas en Dieu, ok? Laisse-lui une chance. Qu'est-ce que t'as à perdre? Pourquoi t'as laissé une chance à la drogue? Pourquoi t'as cru en la drogue? Pourquoi t'as laissé une chance à l'alcool? Pourquoi t'as laissé une chance à la dépression, aux médicaments? C'est que tu leur as laissé une chance, c'est que t'as cru qu'ils pouvaient être changés, alors pourquoi t'essayes pas de donner une chance à Dieu? Aujourd'hui, je te mets à l'épreuve. Donne une chance à Dieu. T'as tout essayé? T'as pas réussi? T'as fait par tes propres forces? T'as été voir les copains, tes fameux copains qui te disent tes copains, tes amis, qui au contraire veulent te marcher sur la tête et prendre tout ce que t'as, toutes tes forces, et puis qu'on n'a rien à faire de toi, parce que le jour où tout va bien, ils sont là, et le jour où tout va mal, ben, il n'y a plus personne. Mais Dieu, lui, même quand tout va mal, il est toujours là. Aujourd'hui, j'aimerais terminer ces paroles à ce que tu prennes ce courage de changer ta vie. Jette à la poubelle tout ce qui ne te sert à rien. Jette à la poubelle tout ce qui te fait du mal. Jette à la poubelle tout ce que tu as fait rentrer dans ta vie qui te fait du mal. Aujourd'hui, c'est l'heure de reconstruire ton autel. Si c'est toi à qui je parle derrière la caméra, qui connais Dieu et t'es sorti du chemin du Seigneur, tu t'es perdu, je sais ce que c'est aussi. Il n'est jamais trop tard. Dieu ne juge pas. Si on t'a dit que Dieu jugeait, alors on t'a prêché n'importe quoi. C'est l'homme qui juge. Dieu est un Dieu de pardon. Dieu est un Dieu d'amour. Dieu est un Dieu de compassion et de miséricorde. Donc, non, arrête d'écouter les gens. Et écoute Dieu, ouvre la Bible et tu verras la vérité. Car l'humain est ingrat, mais Dieu est rempli d'amour. L'humain est ici pour te détruire et tristement pour t'empêcher d'avancer. Mais Dieu est là pour t'élever, t'encourager, te fortifier, te guérir, te sauver, te libérer, te délivrer. Waouh ! Dieu veut te serrer dans les bras aujourd'hui. Dieu veut changer ta vie, c'est aujourd'hui. Donc, toi qui es dévié du chemin du Seigneur, toi qui es athée, qui ne crois pas en Dieu, qui n'a jamais entendu parler de Dieu,
Toi qui connais Dieu et tu as besoin d'une force, tu as besoin d'être fortifié, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous encourage, comme Élie, mettre votre autel en ordre. Votre autel, votre vie. Mets ta vie en ordre. Dépoussière-la. Aujourd'hui, ferme les portes, ferme les fenêtres des gens qui n'en vaut pas la peine, de tes vices ou quoi que ce soit. Nettoie. Et aujourd'hui, accepte Jésus-Christ comme ton sauveur. C'est quoi accepter Jésus-Christ comme mon sauveur? Accepter Jésus-Christ comme son sauveur, c'est qu'il rentre à l'intérieur de ton cœur. Tu n'as rien besoin de faire, ta vie sera la même, tu vas travailler, tu vas manger, tu vas dormir, tu vas prendre ton petit déjeuner. La seule chose, c'est que tu auras mis Jésus-Christ, tu auras confessé Jésus-Christ comme ton sauveur. Tu auras mis Dieu, parce que Jésus-Christ est Dieu et Dieu est Jésus-Christ. Tu auras mis Dieu dans ton cœur et dans ta vie. Et je te propose, si tu es d'accord avec moi, en premier, j'aimerais faire deux prières, mais une qui est la plus importante, c'est j'aimerais faire la prière de confession. Toi qui t'es, si tu t'es dévié du chemin du Seigneur, aujourd'hui, restaure ta relation avec Jésus-Christ. Reconfesse Jésus-Christ. Et toi qui es athée ou qui ne crois pas en Dieu, je te mets au challenge de confesser Jésus-Christ aujourd'hui et de lui donner un temps pour qu'il te prouve comment il peut agir et te rendre ta vie meilleure et te guérir de tous tes mal. T'essayes? On le fait ensemble? Moi, je suis là. T'as besoin de moi? Après, je laisserai mes contacts sur les... sur le réseau, sur la vidéo, où tu peux trouver un autre pasteur pour t'aider. Mais là, maintenant, tout de suite, prends cette décision. Et après, j'aimerais prier pour les malades. Amen. Pour que aujourd'hui votre autel soit reconstruit. Alors, qu'est-ce que tu as à faire? Confesser Jésus, bah, répète cette prière après moi. Elle est toute simple. Tu vas répéter cette prière après moi. Et une fois que tu l'as répétée, Jésus-Christ aura fait son habitation en toi. Tu auras confessé Jésus. Ça veut dire que tu auras fait rentrer Jésus dans ta vie. Et que tu seras sauvé, tu auras Jésus et il va te donner du repos. Amen. Et le reste, je t'explique après. Répète après moi cette prière. Aujourd'hui, j'ai écouté ces paroles et je ressens que j'ai besoin de Jésus-Christ. Je sens que j'ai besoin de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, j'aimerais faire rentrer Jésus-Christ dans ma vie. Alors, je confesse de mes lèvres que j'accepte Jésus-Christ comme mon unique Seigneur et Sauveur de ma vie. Je te demande pardon pour tous mes péchés, tout ce que j'ai pu faire avant. Pardon, Seigneur, pardonne-moi. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, je suis une nouvelle créature en Christ Jésus. Écris mon nom sur le livre de la vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est la fête dans le ciel. Oh, c'est la fête dans le ciel. Toi qui as répété cette prière, aujourd'hui, tu as accepté Jésus, tu as donné ta vie à Jésus. Laisse-le faire. Tu lui fais confiance? Il va faire. Maintenant, rapproche-toi auprès d'une église, d'un pasteur, pour qu'il puisse donner continuation dans ta vie spirituelle, à t'enseigner et à t'aider. Amen. J'aimerais prier pour tous ceux qui sont malades, qui sont dans la dépression et qui ont besoin d'être délivrés, qui ont besoin d'être guéris, qui sont dans la souffrance. Amen. Pour que vous receviez la guérison aujourd'hui. Guérison physique, mentale, spirituelle, émotionnelle. Amen. Et que vous aussi aujourd'hui, si vous connaissez déjà Dieu, vous puissiez mettre en ordre votre autel et vous remettre à servir Dieu. Perds pas de temps, il est pressé. Regarde ce qui se passe autour. Il faut arrêter de rigoler et de jouer. Il faut commencer à se dépoussiérer, à se rhabiller et à resservir Dieu. Amen. Parce que Dieu est pressé. Hein? Et il y a des gens et il y a des vies qui meurent aujourd'hui, chaque jour. Pendant que nous, on est en vacances, chrétiennement, et qu'on a oublié un petit peu Dieu. Alors aujourd'hui, vous qui êtes chrétiens, là, c'est à vous les chrétiens ou les gens spirituels qui connaissent, qu'on dit un peu stop à Dieu, remettez-vous en ordre. Parce que là, Dieu, il attend une armée. Parce que là, il y a des choses à faire. Amen. Au nom de Jésus-Christ, je prie pour tous ceux qui sont malades, tous ceux qui sont dans la dépression, tous ceux qui sont dans la tristesse, tous ceux qui, tout esprit de suicide, tout esprit de maladie, tout esprit d'infirmité, tout esprit qui n'est pas de toi, Seigneur, qui hante la vie de tous les chrétiens, de les non-chrétiens. Seigneur, j'ordonne au nom de Jésus-Christ que tout esprit de maladie, d'infirmité,
de suicide, de dépression et tout autre mauvais esprit, au nom de Jésus-Christ, j'ordonne, sorte de tous les corps, de toutes les têtes, de tous les esprits, de tous les cœurs, de toutes les gens qui écoutent cette vidéo maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Recevez la délivrance, recevez la paix, recevez la guérison. Si tu es malade, une maladie, une douleur, reçois la guérison maintenant au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, je proclame la guérison mentale, physique, spirituelle, émotionnelle au nom de Jésus-Christ. Je proclame la restauration des autels. Je proclame une nouvelle relation, une nouvelle alliance avec le Seigneur Jésus, l'Éternel, ô Dieu éternel des armées, au nom de Jésus-Christ. Je proclame un nouveau temps, un temps de joie, de paix et d'amour. Remplis toutes ces personnes, tous ces gens qui voient cette vidéo, tu les touches dans leur salle à manger, dans leur cuisine, là où ils sont, dans leur voiture, tu les touches maintenant de ton feu, comme là, Élie a clamé, que ton feu tombe du ciel maintenant. Tu les envahis de ton feu, qu'ils soient baptisés de Saint-Esprit, touchés par ta puissance. Touche-les là où ils sont. Tous ceux qui sont en train de regarder, touche-les par ton feu. Ton feu, je proclame ton feu, c'est maintenant au nom de Jésus-Christ. Amen. Je proclame que vous êtes tous guéris, vous êtes tous sauvés, vous êtes tous délivrés. Amen. Et que vous avez reçu le feu de Dieu dans votre vie. Alors, donnez témoignage, contactez la chaîne, contactez, laissez des messages, laissez des témoignages pour l'œuvre de Dieu, pour que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Je suis la pasteur Alexandra. Nous avons un Instagram sur Insta, Église la tribu du Juda. Nous avons une chaîne YouTube, Église la tribu du Juda. Je suis sur Instagram avec mon Insta, c'est... Je crois que c'est pas pasteur, c'est Alexandra Dadou, mais vous pouvez me trouver sur Instagram si vous avez des questions, si vous voulez communiquer avec moi. Je suis ouverte à vous aider et à vous écouter. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous aime très fort et Dieu vous aime encore plus. Soyez tous bénis. Amen.